Salut les viewers et les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Marvel's Spider-Man. Il faut appuyer sur R3 pour scanner la zone. Hop, apparemment ici il y a quelque chose, donc ce serait bien ici qu'on entre. Oh, ça c'est stylé. Oh, ça c'est stylé. Bien joué. Ça c'était magnifique. Le fait qu'il bloque et qu'il reparte comme ça, clac, c'était magnifique. Pardon, mais là je le dis. Bravo, bien joué, c'est une très très belle animation. Vous avez droit à mon pouce bleu, mettez-en un sous la vidéo, partagez-la, abonnez-vous si c'est pas le cas. Wow, il n'y a même pas le droit à son écran de chargement normal, il a un droit à un écran de chargement différent. Ok, deuxième tentative les amis, elle est beaucoup plus dure que prévu. Oh. Mais non, Spider-Man n'est jamais venu ici, tu es fou. Tu es complètement fou. Pas si ça va marcher, mais... C'est quoi ça? Ok. Si. Et encore l'araignée. Allez, soyez raisonnable. Très bien. Rendez-vous de secours si vous voulez pas prendre mon pied quelque part. Hop là. Le ciel. Hey, salut David. J'ai une question. C'est quoi ce vacarme? Vous êtes en train de vous battre? Ah ouais. Je vais essayer de faire moins de bruit. Je me demandais seulement ce que vous saviez du pays d'origine de Sable, la Simkari. Eh bien, je sais que le gouvernement du pays fait tout pour consolider son pouvoir. Appelez. Aujourd'hui, on peut clairement parler de dictature. Le parti d'opposition, dirigé par la famille Tavidova, a vu ses membres exilés ou exécutés. Depuis, la guerre civile fait rage, et les citoyens se sont pris entre le sol. Ils n'ont plus aucun espoir de s'échapper. Okay. Donc Sable a très probablement perdu de la famille dans ce conflit. Oui, même si elle ne veut rien laisser paraître, le coup de Simkari est une affaire personnelle pour elle. Ah. Merci. Au revoir. Boum. Il nous marche dessus, effectivement, je fais de mon mieux. Ça suffit, là. Si ça continue, j'aurai jamais assez de mandales pour tout le monde. Très bien. Ah, à chaque fois il me fait le coup. Il attend que ça. Allez, tu bouffes. Et boum. Et boum. Vous voulez pas qu'on fasse une pause pour recharger nos gadgets et refriser nos collants, hein? Parfait. Aïe. Et bouffe. Non, t'es solide toi. Aïe. Ah. Et je l'ai raté, forcément. Hop là. Eh bien, c'est que j'ai pu recharger presque, j'ai envie de dire instantanément.
Ok. Ok, parfait. J'ai eu celui que je voulais. Attention, on perd des gars. Parfait. Ne réclamez pas tant, comme on dit chez moi. Lui, je l'ai aussi. Franchement, à l'amour, on a dû exploser la pignata sans vous. Ok. Très bien. Ok, j'ai vu où est-ce qu'il était. Ah. Parfait, je l'ai eu. J'ai eu le bon en plus, c'est parfait. Encore une fois, on a du bol. Ok. J'en ai plus. Aïe. Ouh la vache. Très bien. J'ai pu éliminer ceux-là. Merde. Hop, c'est bon. J'ai réussi à esquiver les coups. Ouf, c'est tendu. Hein. Ça va faire mal. Avec merde. Aïe. Hop là. Je vais en coller de plus en plus. Aïe aïe aïe. Wouhou. Bien, lui je vais pouvoir l'avoir gratuitement. Aïe 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 aïe, c'est la fin. Wouhou. Salut toi. Oh mais non. Oh mais lol. Très bien. Salut. Parfait. Je vais t'écrabouiller. Je voulais l'avoir comme ça, mais j'ai pas réussi. Eh bien. Oh, ça marche pas. Ok, très bien. On peut essayer autre chose. Écrasez-moi ce cafard. Non, c'est lequel que j'ai eu. Je crois que j'ai eu le gros. Parfait. Reste couché. C'est très bien. Wouh. Eh ben ça aurait été tendu hein. Ils sont pas faciles ces fameux niveaux. Il n'y en a que 3 mais je comprends pourquoi hein, finalement. Et voilà le travail. Même assez compliqué. Bon après les jetons de base, je m'en bats un petit où peu est les couilles. Chargement de David. Chargement ? Chargement ! Et voilà. S'il vous plaît. Allô, David ? J'ai retrouvé une partie des caisses. Je vous transmets les coordonnées. Merci beaucoup, Spider-Man. Je m'y rends au plus vite. Nickel. Je t'en prie, David, y'a pas de soucis. Si vous avez besoin d'un coup de main, j'ai des contacts dans la police et je peux leur demander de... Oh, non, non, non. Ça ne sera pas nécessaire. J'ai la situation bien en main. Merci encore. D'accodac. C'est vrai que c'était bizarre, t'as raison. C'est assez étrange la façon dont il a réagi. Ok, pourquoi pas, après tout, hein, c'est dans ma tête que ça se passe. Hein. Même sûrement dans ma tête que ça se passe. Ah, mais tout est dans les détails. Regardez, même dans la chaussure, il y a du relief. Hein. Ah, enfin bon. On va aller se faire la deuxième, puis la troisième. C'est étrange qu'il n'y en ait pas ici.
Est-ce que l'autre est pas plus proche? Quoi? Si. Sans doute. Bref, enfin bon, de quelques centaines de mètres. Hein. Ça joue vraiment à rien. Hein. La tour Fisk! Avec la fameuse grue qui a cassé, c'était ici. Hop là. Non, JJJ, je veux pas t'entendre. On m'a signalé à de nombreuses reprises un incident survenu à Midtown et intriguant. Vous l'aurez deviné, c'est normal. C'est toujours la même histoire, mais il y a une petite variante cette fois. Selon mes sources, Hammerhead, le parrain de la Badja, est passé, je cite, en mode cyborg. Nous avions déjà des pieuvres robotiques et voilà maintenant des malfrats mécaniques. Oh. Mais que sont devenus les criminels d'autrefois qui enfilaient un collant sur la tête et essayaient de braquer une banque avec un pistolet à billes? Mm-hmm. Ah bah oui, Spider-Man est... C'est parti. C'est toi, JJJ, je veux pas t'entendre. S'il te plaît. C'est stylé aussi comme ça. J'aime beaucoup. S'il y en a trois animations différentes, c'est encore plus cool. C'est vraiment encore plus cool. Bon. Le niveau est élevé dans ces zones, hein, quand même. Hein. Le niveau est très élevé. Et j'utilise pas tous mes gadgets, mais bon. J'ai découvert un nouveau dépôt. 95 coups, 100 coups. S'il vous plaît, faites attention. Pas de soucis. Et qu'est-ce qu'on gagne une fois qu'on a déniché toutes les caisses? Une pizza de la victoire chez Eddie? Chez Eddie, oui. Ces pizzas vont manquer. Comment ça, vous manquez? Me dites pas qu'il va fermer. Non, non, seulement je... Bref. Surtout, ne vous préoccupez pas de l'acheminement. Je m'en chargerai en temps voulu. Hey, des nouvelles de la flic qui a tenté de faire la peau au boss? Watanabe? Non, je crois pas. Mais en tout cas, le boss... C'est bizarre, hein. Soyez prêts. Vous êtes vraiment étrange. Hop les, un de moins. Un autre. Bah, où sont tous mes copains? Ils ont tous disparu. Comment cela se fait-il? Oh, ce gâchis. Oh, ce gâchis. Ce gâchis parmentier. Vous n'avez rien vu! Tu pourrais faire une petite sieste. Confirme. Je te couvre. J'ai rien récupéré de plus, c'est dommage. Hey, c'est dégueu ce truc! Ouvrez le feu, foutez-le! Quoi, ils m'ont vu? Salut les mecs, sympa le palace souterrain! Mais gaffe au manque de vitamine D quand même! Ah bon, déjà? Je me charge de ça. Spider-Man, tout va bien. Oh ouais. Imhotep. Mais rapidement. Vous m'avez pas dit comment vous étiez entré à Stade International? Pour tout vous dire, complètement par hasard. Racontez-moi. Non, parce que les hommes d'Amérique manquent sérieusement de conversation. Dans mon pays, j'étais professeur de mathématiques. Ah ouais? J'étais plus que d'ouvrir les horizons de mes élèves. Leur montrer qu'il y avait quelque chose au-delà de notre village. Même quand les révoltes ont commencé. Même quand les habitants ont fui le village, mes élèves vont continuer à venir à l'école. Et pourtant, si j'avais su ce qui allait se passer, j'aurais peut-être agi différemment. Les hommes sont arrivés un matin, pour trouver des cours. Ils étaient là. Ah, j'essaie de faire des choses, mais j'arrive pas. Ils voulaient être énormément, mais je n'ai pas aidé. Ils ont fini par perdre patience et ont pointé. Ah bah là, ça n'a pas marché non plus. Et c'est à ce moment-là qu'elle a surgi. Aïe! Ainsi que les enfants. Voilà pourquoi je lui dois ma vie. Pour une mercenaire sans pitié, on pourrait presque croire qu'elle a du cœur. Oui, parfois. Le boss va t'approcher! Ok, c'est pas ce que je voulais faire, j'aimerais bien prendre ce truc là, mais apparemment je peux pas.
Très bien. Ça, c'est efficace. Il est là ! Tuez-le ! Si j'avais gagné $1 chaque fois que j'ai entendu ça... Hé, je tiens peut-être un business plan, là. Je termine de vous mettre une raclée et je me renseigne. Il con. Allez, là, ça va faire un carnage. Why the fuck not? Et, merci, c'est gentil. Ça me touche, sincèrement. Ah. J'aurais, il m'a quand même touché. Pour la peine, je te connais au dernier. Tiens, tu sais quoi, t'as gagné, toi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire de rigolo? Ouais, j'ai pas trop senti. Hop là. Ne te mets pas rouge de peur, je suis déjà tout rouge pour toi. Je sais pas si ça se dit, mais ça peut rien dire sans doute. C'est la même, bah, ça s'en bat les couilles. Appelez. L'objectif, c'est de dérouiller du méchant. What? Ah, ça faisait longtemps. Boum. C'était pour la forme. Appelez. Au revoir. Salut toi. Alors, personne de trop dangereux. Très bien. Encore? Oh, pas vrai. Vous savez que si vous venez tous à la fois, vous auriez moins de mal à. Ah, un monsieur là-bas. Ah, ça a pas marché. Bon là je comprends pourquoi ça n'a pas marché, mais... Ok, il va m'arriver des couilles. Aïe, je l'avais dit, hein. Et là comme j'arrive pas à sauter par-dessus... Ok, réflexionnons. Envoyez les spider drones, enfin le job au moins. Ah. Ah. C'est bien, c'est que moi je suis en train de faire la mission. C'est sérieux, je peux vous envoyer toutes les armes du monde. Je vous souhaite toutes les armes du monde. Et que quelqu'un vous tende la main. Non, c'est pas ça? Allez hop, t'as gagné. Je sais pas ce que c'est la régulière. Désolé. Encore. Hop là, t'as gagné. Et tu as récupéré ton prix. Ça va péter. Boum, ça pète. Non, j'ai eu peur que ça pète véritablement quand je la vois danser le soir. Non, c'est pour ça. Aïe! Ok. Tu es officiellement une saloperie. Comme je sais pas où est le dernier. Hop là. Ah, je vais avoir la chance de pouvoir le faire décoller. Non, je l'ai fini. Dommage. Ouh! Eh bah, ce fut compliqué.
Il y a du risque, hein. On dirait Faut que j'ai fait pas hésiter à esquiver, hein. Maintenant, je dois retrouver le stock de David. Stock. Stock. Il y avait pas des magasins qui s'appelaient Stock avant? Je sens vieux d'un coup. Stock. Stock. Je dédie ces mots. Non. Oui. Bon, très bien. Stock. Stock. Ok. Ah, je les ai vus. C'est bon. Ah, d'accord. Hop là. Et voilà. Des milliers de maisons qui vont se trouver sans eau pendant plusieurs semaines. Ah, okay. J'ai pas le droit. Ce stock d'aide humanitaire ne devrait pas être très loin. Hop là. Ça doit être la cargaison d'aide humanitaire. Ouais. Ouais. Le boss va s'approuver. Ah ouais, ouais, je l'ai vachement appris le respect, je confirme. Bon, David, j'ai retrouvé une autre partie des caisses. Voici les coordonnées. Votre cadeau aide est précieuse. Ces fournitures pourraient sauver la vie de centaines de Simkariens. Oh. Pourquoi cet intérêt pour la Simkari? J'aide les enfants de la Simkari, car je n'ai pas été capable d'aider ceux qui comptaient le plus pour moi. Encore merci d'avoir mis la main sur ces stocks. Je viens les chercher très vite. On dirait que David a ses propres démons, comme la plupart d'entre nous. C'est un être humain, hein, c'est rien de plus qu'un être humain, je veux dire, hein, sur le principe. Avec un peu de chance, avec un peu de chance, je vais réussir à finir ce DLC dans l'après-midi. Et qu'à partir de demain, je pourrais commencer, enfin demain ou après-demain, on verra, à tourner uniquement du Kingdom Hearts, pour être cool. Très bien, troisième et dernière base. Et ensuite, on aura sans doute la fameuse quête secondaire qui ira avec ce petit plot. Hop. On pourrait y aller en voiture, hein. Je me pose sur une voiture, on la laisse nous guider. Mais j'ai peur qu'elles aient des petits trajets, vous savez, circulaires, un petit peu. Des boucles circulaires. Hop là. On y est presque. Mais c'est intéressant, au moins là c'est du vrai défi, je veux dire, y a pas de, entre guillemets, de... Okay. L'entrée du repère doit se trouver tout près d'ici. Juste pour la forme. Agression. Voilà l'entrée. Plutôt futé. Hop là. Oh non, tu l'as déjà fait, mais bon, c'est l'autre vision. C'est vu par en dessous. Pourquoi pas? Pourquoi pas, après tout. Alors. On n'a pas le droit à l'image, la fameuse image, apparemment, vous savez. Qui est légèrement différente. Ah si, on y a droit. Autant pour moi. Bon, bah deuxième essai, les amis. On est obligé de tout recommencer. J'ai chié dans la colle. Complètement chié dans la colle. Oh pardon, je t'ai fait peur ? De mauvaise fréquentation, j'imagine. Ok, très bien. J'ai pas pris de petit déj. Tu me fatigues, mais tu me fatigues. Débile en même temps. Que je te dise, bonhomme.
Pas bien suffisamment débile pour aller faire le tour. Non ? Je suis trop stressé. Faut que je me calme. Oh. Voilà. Fleck. Si on joue au roi du silence. Oh, je risque de gagner si on joue au roi du silence. Bon, si je me doute qu'à un moment ou à un autre, je vais me faire griller par un truc complètement pété, j'imagine. Ah. Ah, t'as de la chance, toi, bonhomme. Oui, il est possible que Marco dorme. Il a fait une sieste, sans doute. Ah. Tellement d'extensions de machin de bidule de trucs. Ok. Il y a des trucs qui roulent. Non, y a personne ici. Étoile, on sait tous ce que ça veut dire. Hey, venez ici. Ah. De blague. Personne t'a vu. Oh, oh. Fais une erreur. Tu es mort. Si on peut faire toute la vague 1 comme ça, ça peut être fun, hein. Moi, ça me dérange pas, hein, perso. Hein. Hop là. Coucou. Limite, ce serait même encore plus intéressant si, au final, ça me permet de... Ouais. Terre, vous. C'est cher de loyer? Non, je demande, c'est pour un ami. C'est d'une précision incroyable. Hein. Salut. Salut, ça va? Salut, MJ. Je peux te demander un gros service? Gros comment exactement? Tu te souviens de ton reportage sur la pénurie propre dans la ville? Eh ben, je connais quelqu'un qui serait tout à fait qualifié pour un poste. S'il avait un visa. Il me semble que certains districts en allouent sur dossier. Envoie-moi plus d'infos sur cette personne. Eh bien. Des méchants dans un repère souterrain. Ça vous dérange pas d'être aussi cliché? Ok. Ok. Ah oui, si tu veux. Un jour peut-être. Toi aussi, je te l'apprendrai. Hop là. Je bosse sa peau. Allez les mecs, faites votre boulot. Juste une question. Quand vous vous faites livrer des pizzas, ils les laissent tomber par une boule d'égout? Ah. Hop là, parfait. Le manque de soleil peut-être. Très bien. Ça se passe beaucoup mieux quand même, hein. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Je me charge de ce clown. Hop, merci. Ah. Ok. Parfait.
Très bien, j'en ai eu deux. Pas prévu, mais... Youhou ! Allez les speeder potes, on y va ! Au boulot ! Ah, merci d'être venu, toi, ça tombe bien. J'avais pile poil ce qu'il fallait pour te recharger. Enfin, pour pouvoir ensuite recharger. Ah, ça par contre, ça m'embête un peu plus. Parce que vous êtes des hôtes déplorables. Hop là, ça, ça m'arrange par contre. Si. Oh merde. Hey, je peux plus bouger. Ouf, la vache. Ah oui, c'est un... D'accord. Tu vas pleurer, mais... Et j'ai loupé la seule qui me restait. Très bien. Lui par contre je l'ai pas loupé. Ok. Aïe. Et tire. Très bien. Oh. Elle est active pourtant hein. Ouais. Ouais, ouais, bah je te pisse à l'arrêt. Cordialement, Marcus. Ça va couper. Il bouffe. Ah, c'est dommage. Ah! Je me charge de ce clown! Des mini-drones! C'est possible! Allez, donne ça à papa! Oui, je peux. Et oui, c'est bien lui. C'est la fin? Wouh! C'est l'ami Spidey. Ok. Ce stock d'aide humanitaire ne devrait pas être très loin. À chaque fois, t'es à l'opposé hein, du truc. Hein. Tu dis qu'il est pas loin, allez, pas loin. Retrouvons ce stock d'aide humanitaire. Aha! Il va quand même pas falloir que je me mette là. Que je puisse tirer sur le train. Non, apparemment non. D'accord. C'est pas ce que j'ai fait, mais je l'ai fait. Et ça a débloqué le train et le caca qui avait autour, hein, au passage. Voilà les caisses. David, j'ai enfin retrouvé le dernier chargement. J'ai juste vérifié un truc. Mais apparemment je peux pas. À l'ambassade de Simkari. Et m'assurer que l'aide parvienne si. À bon port. Voilà, j'aurais pu tout simplement si ouvrir cette porte là, hein, qui est pareil de l'autre côté. D'accord. Et encore merci. Oh oui, je veux aller là-dessus. Bah voilà. Voilà. J'espère qu'Amji aura pu faire jouer ses relations. Voilà, voilà. Bon, bah ça fait 3, si je ne m'abuse. Ça nous aura pris pour moi 50 minutes pour le faire. Ce qui n'est pas mal, hein. Merci, c'est gentil. Alors, du coup, qu'est-ce que ça donne? MJ, on se réveille? MJ? MJ! MJ? Aïe, non. Salut David, quoi de neuf? Spider-Man, j'ai récupéré toutes les...
Waouh. Je suis pas sûr. Enfin, je... David ? David ? Le jeu n'a pas suivi. Les hommes d'Amoret savaient que David serait seul. Et vulnérable. J'aurais dû le voir venir. Courage, David. Très bien. Je suis un peu surpris, excusez-moi, hein, par ce qui vient de se passer, à vrai dire. Je pense que c'est normal. Juste petite question, deux verrouillés et trois au total de verrouillés ici. D'accord, je suis un peu surpris par la quantité de choses qui reste à faire. Mais bon. On y va. On va aller chercher David. Le sortir de ce guépier. Oui, guépier c'est un vrai mot, hein. Pour ceux qui ne savent pas. Attention, chaud devant. Il y a des arbres, il y a des trucs, hein, mais bon, c'est vrai qu'il n'y a pas très haut de conneries. Ah, ça y est, il y a des poteaux. Les poteaux sont mes poteaux. Wouh, ça tiroille. Ah oui, il est tout seul. À moi de jouer. Genre. Le retour voir la lune. Un petit coup de main peut-être. Ok. Oh. Oui, je l'ai eu quand même. Bien fait. Mais c'est pas des gens de chez Sable, ça? Justement. C'est bien l'explication là. David ? David, explique-toi. J'aimerais comprendre. Sinon, il y avait un mec juste devant toi, c'est pas dit. Voilà. C'est débile. C'est ultra puissant par contre. Merci. Ça va toujours ? Oui, pas de problème. Hop là, allez, à la flotte. Ah dommage, j'ai raté mon coup. Ah, quel dommage. Salut ! Ça va ? Je crois. Je peux remercier cette armure de sable. Bon, alors ? Et maintenant ? Je vais livrer les caisses à l'ambassade. Toujours les mêmes trois impacts, ouais. Grâce à vous, le peuple de Simkari recevra enfin l'aide nécessaire. Mais c'est bien normal. Je me demandais ce que vous alliez faire, vous. Eh bien, je viens de recevoir l'appel d'une école de Midtown. Il me propose un visa si j'accepte un poste de professeur. Vous n'auriez pas quelque chose à voir là-dedans, des fois ? Les bonnes actions attirent les bonnes surprises. Je ne vous remercierai jamais assez. À chaque instant, j'essaierai d'aider mes élèves à réaliser leurs rêves, comme vous m'avez aidé à réaliser le mien. À vrai dire, ce serait plutôt à moi de vous remercier. De quoi ? De m'avoir rappelé pourquoi j'aimerais toujours cette ville. C'est mignon. Oh, le mec est encore accroché. Nice. Le monde paraît soudainement meilleur. Nice, nice, nice. Et du men. Oh, c'est beau. J'ai pleinement de ce sentiment pendant quelques secondes. T'as raison. Avant la prochaine catastrophe. T'as raison. Les affres de la guerre, tu m'étonnes. Hop là, on grimpe. On grimpe toujours. Ah, raté.
J'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. Ça allait être stylé normalement, mais en fait, bon, j'ai raté. Très bien. Eh ben écoutez, les amis, on se laisse là pour cet épisode. Merci de l'avoir aidé. N'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Moi, je vous retrouve dans la suite des aventures de Spider-Man demain dans un nouvel épisode, tout simplement. Salut les gens, et hop, je parle trop vite parce que je veux éviter d'entendre GGG. Salut!